le seul club de cheerleading reconnu par la ville de Sherbrooke. Puis on a tous les outils mis à notre disposition pour vraiment devenir la référence en cheerleading à Sherbrooke et éventuellement en province. Créé en 2009 et maintenant muni de leur propre tapis à rebond, le groupe de cheerleading Impact de Sherbrooke ne cesse de grandir. Leur prochain souhait, trouver un local permanent où pratiquer, ce qui pourrait leur être très bénéfique. C'est un avantage immense, ça permet vraiment de développer. Le Solar Spring permet aussi d'atteindre des niveaux un petit peu plus élevés, d'aller chercher des mouvements de gymnastique plus compliqués. Le club s'est aussi équipé de coussins pour pouvoir faire tous les éducatifs pour les stuns, pour la gym. On est en train aussi d'installer des trampolines pour pouvoir utiliser la simulation de saut pour permettre à nos voltiges de vraiment pouvoir sentir le mouvement dans les airs. Tout ça dans un cadre sécuritaire. C'est un sport qui est très demandant. Ça demande une courte période d'intensité très élevée. On parle des chorégraphies d'environ 2 minutes 30 à 2 minutes 40. Les jeunes aussi doivent performer autant d'un niveau de gymnastique, de danse. En plus, on rajoute à ça le niveau stunt, où on a des voltiges dans les airs, des pyramides aussi qui sont des stunts combinés. J'aime le cheerleading parce que, premièrement, j'aime la gymnastique. Puis, ça fait depuis que j'ai genre 10-12 ans que je fais de la gymnastique. C'est un mélange de plein de belles disciplines. Il y a beaucoup de. Dans le fond, il faut utiliser sa force. Il y a beaucoup de gymnastique, de la danse, j'adore ça. C'est surtout parce que je faisais de la danse quand j'ai commencé. J'avais 3 ans. Puis, j'ai toujours voulu faire de la gymnastique. Fait que je trouve que les deux, ça s'associe vraiment bien. Puis, je trouve que surtout tout ce qui est acrobatique, j'aime vraiment ça. Souhaitons la meilleure des chances à ces jeunes qui seront en compétition le 18 et 19 février prochain à Montréal. Natacha Lavigne pour EstrieSports.com.